Groupe 9, 5e A. Je vais vous présenter maintenant l'identité. Qu'est-ce que l'identité ? L'identité peut être légale ou personnelle. L'identité légale permet d'identifier et de reconnaître la personne aux yeux de tous. L'identité personnelle, c'est une identité qui se construit au jour le jour par les choix qu'une personne peut faire tout au long de sa vie. À travers le film Billy Elliot, nous allons voir comment se construit l'identité. Ce film a été réalisé par Stéphane Datfry en 2000. Il est composé de notions clés, l'identité légale, l'identité personnelle et l'identité collective. Nous allons passer à présent au résumé du film. Billy Elliot. En 1984, dans le nord-est de l'Angleterre, Billy Elliot est un jeune garçon de 11 ans qui habite une petite ville minière avec son père Jackie, son frère aîné Tony et sa grand-mère dont il s'occupe. Sa mère étant décédée. Le père et le frère de Billy participent à une grève pour protester contre la fermeture de la mine et les heurts avec la police sont fréquents. La famille est très modeste et n'a pas beaucoup d'argent et la grève n'arrange pas la situation. Pour plaire à son père, Billy va au club de boxe comme tous les autres garçons du coin. Un jour, par hasard, il découvre le cours de danse de Madame Wilkinson, constitué uniquement de filles. La danse est pour lui une révélation et malgré les difficultés, il en fait de sa passion. L'opposition de sa famille au départ et les préjugés de son entourage, il réussit à imposer son choix et à affirmer sa personnalité. L'identité personnelle d'Eliot s'affirme peu à peu de diverses façons. D'abord à travers la rébellion. En effet, pour participer au cours de Madame Wilkinson, il doit se cacher au début et ment à son père en le faisant croire qu'il va au cours de boxe. Seul son ami Michael, qui est un garçon différent, est au courant. Il est triste de désobéir à son père, mais la danse est sa passion et tant qu'il peut, il résiste à son entourage. Ensuite, l'évasion. La danse lui permet de s'évader de son quotidien difficile. Le rêve de devenir danseur lui permet d'imaginer une vie future plus facile, différente et plus intéressante. Il imagine aller dans une grande école, une grande ville, et même s'il a peur, découvrir d'autres univers. De plus, Billy exprime sa colère, sa joie, ses espoirs. Il les exprime par la danse, dans sa manière de bouger, de sauter, sa façon d'être tout le temps en mouvement. Il court dans la rue en faisant des pirouettes, des pas chassés, des petits sauts. Quand il est en colère, il tient son corps bien droit devant son père, la tête haute. Il regarde son père les yeux dans les yeux. Enfin, dans l'affirmation de soi, en découvrant la danse, Billy se transforme peu à peu. Après les mensonges du début, il ne se cache plus. Il tient bon devant son père et se montre tel qu'il est. Il est tellement déterminé que son entourage cède, en particulier son père, et finit par l'aider à passer l'examen de l'école de danse. Il a peur, il ne connaît rien au milieu de la danse. Il n'est jamais sorti de sa petite ville. Mais rien ne va l'arrêter. Il va aller au bout de son rêve. Pour finir, on en conclut que Billy Elliot, grâce à la danse, a peu à peu affirmé son identité personnelle. De plus, du monde des ouvriers et des mineurs, il est passé dans le monde des artistes à la grande fierté de son père. On peut dire que la danse l'a fait changer d'identité.